Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Avant de vous laisser donc avec le deuxième vol qui est donc prévu aujourd'hui entre Dubaï et Bali, vous allez donc pouvoir vivre donc la seconde étape comme prévu mais en date avancée. Alors, petit topo très rapide. Déjà, je remercie toutes les personnes qui continuent de m'envoyer des messages de soutien. C'est adorable venant de votre part et je vous en remercie à ce sujet-là. Au sujet et des derniers points qui se sont passés sur Instagram, parce que beaucoup de choses se sont passées, et moi, comme je travaille, je n'ai pas beaucoup le temps de vérifier ce qui se passe sur Instagram, bien que j'ai beaucoup de choses à vous dire là-dessus. Avant de vous laisser, donc, avec le vol entre Dubaï et Bali. La première des choses, j'ai entendu des gens qui continuaient perpétuellement à m'accuser comme quoi j'aurais insulté et injurié une personne de mon travail, ce qui est totalement faux, puisque j'étais lavé de tout soupçon. Concernant Instagram, j'ai beaucoup de choses à vous dire dessus. Prudence, parce qu'il y a beaucoup de faux comptes, beaucoup d'arnaques actuellement. L'État français est tombé dans le panneau. Je vous explique un petit peu ce dont l'État m'accuse au jour d'aujourd'hui. L'État m'accuse de ne pas faire attention aux personnes avec lesquelles je parle. Et donc un compte au nom de R, je ne vais pas aller plus loin, ce compte était en effet un faux compte puisque la photo de profil était reprise d'Internet et donc de Google Images. L'État n'a pas fait ses recherches correctement. Il y a un vice de procédure. Pourquoi? Parce que le compte était un compte faux et donc a été fermé. Bien que le compte, je l'ai placé dans la zone bloquée directement sur mon compte Instagram. Et donc en fait, eh bien, le compte n'existe plus. Bon. Donc voilà, donc j'ai envie de dire, mon seul message vis-à-vis de l'État français et des personnes qui ne veulent pas se former en informatique, et j'ai beau vous le dire et j'ai beau le répéter dans ce message, j'ai beau vous l'avoir répété sur la chaîne, les gens, s'il vous plaît, avant d'avancer des âneries ou des conneries ou des gens qui ne sont pas capables de faire un discernement, prenez des formations en informatique. Il y a des écoles comme l'école 42, comme Donkey School, comme W3 School, etc., etc. sur Paris. Oui, vous allez en avoir pour votre argent, mais il vaut mieux démissionner de votre poste actuel, prendre des formations en informatique, vous renseigner à bien sur certaines choses et après vous remettre en question. Parce que pour beaucoup, il y en a qui malheureusement ne comprennent pas quand je parle français. Quand je dis qu'il y a des faux comptes, je vous invite à aller vous renseigner sur la chaîne de Sandoz. Il n'y a que lui qui avance des choses, comme moi sur ma chaîne, comme beaucoup d'autres. Donc voilà, soyez vigilants là-dessus. Donc voilà, parce que vous avez des comptes en fait où l'État ne s'appuie que sur les photos et ne fait pas preuve de discernement. Et donc pour cause, le compte de la fameuse R était un faux compte. Donc voilà, prudence là-dessus. Et c'est pour ça que je me devais de vous faire ce message de prévention. Prudence sur Instagram. Il y a beaucoup de faux comptes qui circulent. Ne tombez pas dans le panneau. Voilà, messieurs, dames, sur ce très bon vol entre Dubaï et Bali. Et moi, je vous dis à plus tard. Salut tout le monde. Tchou tchou. Hello, bonsoir tout le monde. Ça y est, nous sommes à Dubaï International Airport. Eh bien, c'est un décollage de la piste 12 droite. Donc, on a déjà nos vitesses. 177, on est d'accord, et on nous demande de monter. Alors, VNAV, on nous demande de monter au niveau 3, unité 0. Voilà. Hop. Allez. Donc, sur Meta Flight, normalement, on est bon. C'est parfait. Eh bien, on va y aller. Alors par contre, est-ce que vous avez bien le son retour? Normalement, oui. Voilà. C'est parfait. Alors, trafic, weather, data. Et on est à QNH 1007. Ok, there's one to left. One to right, sorry. On est à 4000. Allez, go. Ok. Ok, alors on va attendre que le Flaps 5 vole bien. Et après on va contacter la tour sur 18835. Et notre arrivée normalement prévue à Bali, Mapensar,
Ah, 7h30 demain matin. Si tout va bien. Et là, vous allez vivre donc la deuxième partie du vol entre Dubaï et Bali. Même Pensar. On a juste 2 minutes de retard. Il fait 25 à Dubaï cette nuit. Je mets mon casque correctement sur les oreilles. Prêt à partir. Sur Dubaï, sur Bali, pardon. Hop, le chrono. On va demander à Dubaï le départ. Runway clear takeoff. Move on to right. Allez, take off. Eighty knots, checked. V1, V2, Rotex. Positive climb as gear up. Autopilot on. Dubai approach, Air France 77.
Block 1601. Déjà les mecs ils se dirigent sur la mauvaise piste déjà. Mais nous on se retrouve donc à l'arrivée à Mapensar demain matin à Bali. Sur ce, ciao tout le monde. Bonjour à tous. Eh bien ça y est, nous arrivons donc à Bali. Donc fin de cette dernière étape. Donc on aura mis un petit peu plus de 7h30. Donc avec une arrivée, une non one bravo about the arrival. What's about my 2-7. Donc on atterrit sur la 27 et donc on descend niveau 2-3-0 en suivant la star. Nous on se retrouve en finale pour l'arrivée sur Bali. Et donc à la suite, l'altitude maintenue 2500. Avec le glide. Ouais, sortie du train. Et report en visuel. Parfait. Et au total 8 heures de vol entre Dubaï et Bali. Clear to land. Well, my 2-7. Parfait. Hein? Oh putain! C'est pas ce que je veux. Oui, mais je m'en fous. Putain, lui, il est con, il demande la direction de l'aéroport, ce con. Long 3. To land.
Autopilote désengagé. Atterrissage manuel. Allez, landing. Et bienvenue à Bali. Alors, porte 2. Le fléchage est un peu bizarre quand même. Alors, je sais pas combien on a fait par contre à l'atterrissage parce que j'ai pas eu le retour. Bon, ça va, moins 235, ça va. Autobike off. La température des vins trop chaud, oui, forcément. C'est une piste qui est courte. Hein. PNC aux portes, dernier virage, désarmement des deux grands, s'il vous plaît. Merci. Et voilà. Et bien voilà, voilà ce qui termine donc notre série entre Paris, Dubaï et Dubaï, Bali. Il n'y a pas eu de haters. Sur ce, très bonne matinée à tous et puis bah, à très bientôt pour la suite des événements. Salut tout le monde, ciao.